Hello les gens, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo c'est une vidéo très spéciale car aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui s'est passé il y a déjà plus de 3 ans et j'avais absolument envie de vous en parler depuis assez longtemps mais j'avais pas envie de faire cette vidéo parce que j'aime pas en parler parce que généralement quand j'en parle bah après ça me fait remonter ce qui s'est passé et ça me plaît pas. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire à part qu'on va lancer la vidéo. Je vais vous montrer le compte. Alors c'est pas pour aller l'insulter ou truc machin parce que c'est pas ce que j'aime faire, mais plutôt aller signer la vidéo en question parce que je ne veux pas que cette vidéo reste sur internet. Si c'est possible que cette vidéo soit supprimée, ça m'arrangerait. Alors je précise que ça se passe sur TikTok et c'était il y a 3 ans, donc à ce moment-là j'avais 13 ans, 14, 15, 16, 17. J'avais 13, 14 ans à ce moment-là. Et j'avais 14 ans parce que ça s'est passé au mois de novembre. Donc je suis né au mois de mars. Donc j'avais 14 ans du coup. Donc là, actuellement, j'ai 17 ans et on va réagir à cette vidéo. Donc c'est parti. Avant, je vais quand même vous expliquer l'histoire avant de démarrer cette vidéo. Alors, il faut savoir que cette vidéo-là, on va rigoler parce que voilà. Mais il faut savoir que je vais vous expliquer l'histoire. Donc très clairement ça se passe en gros avant cette fille et moi avant on était amis. Voilà donc on s'envoyait des TikTok et en fait au bout d'un moment désolé si ça va pas parce que vraiment j'aime pas trop en parler je lui envoyais trop de TikTok et du coup à un moment donné elle me dit arrête de me spammer. Et j'ai vu ce que j'ai dit, j'avais dit ah bah, je suis désolé entre deux jours et après elle s'est mise à m'insulter. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit mais je sais qu'elle m'avait insulté. Donc forcément à ce moment-là j'étais un peu con. Donc moi aussi je me suis mis à inciter et au bout d'un moment j'ai fait l'erreur de continuer à la spammer du TikTok. Et là elle s'est décidée de faire un TikTok en disant ouais les gens, il y a une meuf, je préfère une meuf parce qu'elle me connaissait pas. Alors que je précise que sur mon compte TikTok il y a ma tête et on voit très clairement que je suis un garçon. Et aussi voilà. Et donc du coup elle a fait un TikTok qu'on va montrer. Et moi aussi j'en ai fait un derrière, sauf que en fait je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ça sert à rien et que je ne suis pas ce genre de personne qui poste des TikTok en critiquant en mode ouais allez signaler cette personne, gna 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 gna. Non, alors là oui du coup je vous demande de signer la vidéo mais c'est juste pour moi en fait, c'est pas pour elle en fait, c'est pour moi, c'est pour ma sécurité, bref. Ainsi cette vidéo date d'il y a 3 ans mais j'ai pas envie que si on retourne cette vidéo, j'ai pas envie que se remette à m'insulter alors que c'était il y a 3 ans et que sur moi j'étais encore un gamin maintenant, j'ai bientôt 18 ans. J'ai pris en maturité entre temps et je sais mes erreurs. Donc voilà, bref, bon, voilà l'histoire. Donc maintenant, on va lancer la vidéo. Et après, on va regarder les commentaires parce qu'il y a des commentaires, c'est trop drôle. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Donc, choix de One. C'est parti. Coucou, ineffime spammer. Une fille lui me est-il spammer. arrêté? Elle m'a insulté, je lui Attends, ai. ça va trop vite. Elle a dit, me filme spammer. Alors déjà, elle savait même pas que j'étais un garçon, alors que très clairement, elle avait dit TikTok où ça se voyait. Donc ça se voyait, elle regardait jamais mon compte, alors que je lui envoyais des TikTok à moi, je précise. Hein. Elle m'a dit, elle a dit quoi déjà? Je lui ai dit d'arrêter, elle m'a insulté. Alors il faut savoir que, ok, elle m'avait dit que j'arrêtais. Donc du coup, je lui ai dit un truc en mode, ouais, j'arrête, gnagnagna, ou un truc. Elle n'a pas dû lui plaire, mais c'était pas insultant ou autre machin, et elle s'est mise à m'insulter. Donc, pas forcément, du coup, c'est ce qui s'est passé, donc j'ai continué. Et. D'arrêter, elle m'a insulté. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle était bête, alors que non, elle m'a pas du tout dit ça. Alors, malheureusement, j'ai plus preuve parce que je l'ai bloqué entre temps. Mais je me rappelle qu'elle m'avait pas dit qu'elle était bête. Alors, de la force, oui, elle a dit que j'étais bête, mais en insultant, pas bête, mais c'est plus haut que bête. Genre, je suis un. Voilà, par exemple. Ou un truc du genre, mais vraiment violent quoi. Qu'elle était bête. Elle a fait une. Et elle a fait une vidéo quand je lui ai dit qu'elle était bête, mais elle a pas montré quand elle m'a insulté. Mais attends, mais je me rappelle de cette vidéo, je lui avais montré les preuves. Ah mais j'avais fait la vidéo avant. J'étais vraiment bête alors, j'aurais jamais dû faire la vidéo alors. Mais non, en fait, je crois que j'ai dû montrer les preuves. J'ai dû montrer les preuves, je pense. Mais ouais, je pense. Je tremble un peu parce que j'aime vraiment pas en parler, mais voilà quoi. Quand je lui ai dit qu'elle était bête, mais elle a pas monté quand elle m'a Oups. insulté. Du coup, vous pouvez la signaler, MRC. Ça servait à rien de me signaler parce que mon compte est encore disponible. Bon, entre-temps, j'ai changé de pseudo, mais c'était pas à coup de réel parce qu'en fait, j'avais envie de changer. Je crois que j'avais écrit 2030, sauf qu'en fait, ça ressemblait trop à mon pseudo Roblox et j'aime trop pas. Voilà. Bref, on va regarder les commentaires maintenant qui est juste à côté. Bah, déjà, voilà mon ancien pseudo, c'était Evan Roblox-du-bas 2030. Maintenant, c'est Evan-du-bas 2021, je crois. Bref, voilà. Donc, bah, ça montre bien que c'était en 2021 parce que c'est la dernière fois que je changeais mon pseudo.
Le jeu de derrière, c'est quoi, s'il te plaît? Bon, bah, ça, on s'en fiche. Roblox, c'est elle. Voilà, elle. Alors que très clairement, je faisais des vidéos de TikTok où on voyait ma tête. Je comprends pas. Genre, ça se voit quand même que les gens, ils ne me connaissent même pas. Et sous, mais non, mais. Ah 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 ah. Ok, la plus de commentaires, c'est qui? Une personne du nom de Evan Rocher qui fait des vidéos Roblox, TikTok et YouTube. TikTok, j'en fais moins en ce moment. Faudrait que je refasse. J'en ai un sorti. Bon, du coup, je l'ai mis en format short. Du coup, vous pouvez voir aussi sur short. J'ai radé maintenant tout le monde la spam, ton pseudo et dans tous ces comme. Alors oui, à ce moment-là, on m'avait spammé totalement d'insultes, alors que je n'avais littéralement rien fait de. Enfin, je ne méritais pas autant d'insultes, vraiment. Genre, alors que j'avais strictement rien fait, à part spam des vidéos, mais genre, c'était même pas spam, c'était juste envoyer des vidéos comme ça, mais c'était pas en mode vidéo. Non, j'abusais pas, alors que y en a, s'il vous plaît, ils font quand même, enfin, faut pas oublier, enfin, faut pas abuser non plus, hein. J'ai regardé maintenant tout le monde. Ouais, bah ça, ok. Sauf pour les harcèlements contre les 2010, partagez ça. Oh, c'était en 2021 aussi, forcément, ça date. MDR, je suis allé sur une de ses vidéos et j'ai dit, pourquoi t'insultes? Après, il m'a dit, pourquoi t'insultes? Je pense que c'est parce que à ce moment-là, tant que je prenais une vague de TikTok et je savais pas comment réagir, bah forcément, je pensais qu'elle aussi, elle m'avait insulté. Bref, je pense que. Je lui ai répondu, mais MDR, trouve-moi une vidéo où j'ai insulté. Alors que très clairement, elle a vécu des TikTok. Non, en fait, elle a vécu mes deux dernières vidéos où je crois qu'elle avait juste des insultes. Bref. Il y a une fille qui se prend pour la fille que tu crois qu'il t'a insulté. Et du coup, eh ben, elle fait ça pour que tout le monde soit contre elle. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Même pas vrai, son compte est privé. Maintenant, non. Alors, j'ai dû le mettre en privé pour qu'on arrête les insultes. Ça a arrêté. Quand j'ai remis en public, bah, ça va arrêter, hein. C'est bon, chef. Le pire, c'est que les personnes ne connaissent vraiment pas la vraie histoire. Ça me dégoûte, ça. Bon, après, moi aussi, du coup, je réponds ma vraie histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas obligé de me croire, moi. Hein. Mais elle a fait un TikTok et elle s'est pas montrée en caméra. Enfin, la plus. Je ne sais pas expliquer, mais moi, ce que je raconte, moi, c'est plus intriguant que elle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Quand tu fais la voir, s'il te plaît, tu. Oh, bon, s'en fiche. S'en fiche. Je crois qu'il a supprimé la vidéo. Ouais, j'ai supprimé la vidéo, mais vite fait. Vraiment, je l'ai laissé 2 minutes, j'ai enlevé tout de suite. Hein. Coucou, c'est moi, je me suis fait. En même temps, on s'en fiche. Hein, si tu veux, je peux te faire un tuto pour. On s'en fiche, pardon, si je te spamme de là. Sopé, c'est quoi le nom du jeu Roblox? Il n'y a pas, il a supprimé. Ok, c'est bon. Voilà, je l'ai aussi bloqué. Bah, au moins, c'est bien comme ça. Au moins, ce qui est bien, c'est que les gens bloquent. En fait, il y a plus de gens qui me bloquent, qui me spam, enfin, qui m'insultent. Ou voilà, donc, au moins, c'est bien comme ça. Au moins, les gens qui sont bêtes, bah, au moins, je les ai pas dans mes vidéos. Fait, c'est mon caporal. Non, mais. Mais c'est ce que j'ai en bas, je veux savoir. Fait, c'est qui? C'est quoi son pseudo, son compte? Le pire, c'est que les gens ne connaissent vraiment pas la vraie histoire. Et du coup, les gens sont venus comme ça, vraiment m'insulter. Oh my god, c'est la fille, elle m'a hack, j'avais 8000 abonnés. J'ai jamais hack quelqu'un, je sais même pas comment faire. Et c'est la fille, donc très clairement, elle sait même pas qui je suis. Donc, partie 8, ok. Robux, ça fait bon, on s'en fiche. C'est 2021, donc c'était il y a pas longtemps que ça, c'est qui? Gna gna gna, c'est qui? Mais voilà, personne me connaît aussi. À ce moment-là, j'avais 800 abonnés, maintenant j'en ai 5000, donc t'inquiète pas, cet argent. Elle avait à ce moment-là 10K, je crois qu'elle a 11K, donc j'ai plus augmenté qu'elle quand même. Bon. Bah, y a que ça. Déjà, c'est un garçon. Merci pour la personne qui a compris que c'est un garçon. C'est vraiment la seule personne qui a compris. Hein. C'est un gars en fille. Ah ouais! Ah, mais la maturité, hein. C'est un gars en fille. Mais je fais ce que je veux. Oh, choqué. Oh my god, merci de l'être abonné à moi, je suis fan. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Oh, enfin, une personne qui a compris, enfin, une autre personne qui est intelligente, elle a dit. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Merci. Je l'ai signé et bloqué. Alors, la seule chose qui m'est arrivée, c'est que je pouvais pas écrire pendant une semaine, mais aux gens, tu vois. Alors que j'écris jamais à personne, donc je m'en fichais un peu. Les commentaires, je pouvais écrire encore. Mon compte n'est pas banni ou suspendu. Non, il m'a rien arrivé. Juste dans les commentaires, je pouvais pas écrire, tout simplement. Dans les commentaires, quand on parle aux amis, voilà. C'était juste ça. Mais à part, j'ai rien eu d'autre. Moi aussi, sur TikTok, je me suis fait bon sang, on s'en fiche. Je l'ai signalé. Bloqué, signé, elle a supprimé sa vidéo. Elle a supprimé. Alors que, en plus, dites-vous une chose, c'est que dans la vidéo, il avait ma tête. Très clairement. Genre, j'étais comme ça. Même carrément, j'avais filmé, je tenais mon téléphone et je faisais ça. Mais c'est ça qui me fume, non mais. C'est bon, c'est quoi son compte, c'est pas cool, je te comprends. C'est plutôt moi qui est pas cool, en fait. T'inquiète, c'est bon, je l'ai bloqué. Bon. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère ça m'a fait du bien d'en parler aux autres gens, des gens qui m'aiment bien. Je demande pas d'aller l'insulter aussi, des trucs machin, juste
Allez, signaler juste la vidéo en question et voilà. Ça me ferait juste plaisir et que j'aime pas avoir cette vidéo sur internet. Enfin, voilà, bref, ça m'a un peu aidé. Je sais plus quoi trop quoi dire. Bon, bah voilà, instant du matin, c'était bien gênant. Les gens sont trop drôles. Ce qui me fume, c'est quand même que les gens sont allés l'insulter, m'insulter, signaler, alors que techniquement, j'avais littéralement pratiquement rien fait à part spammer et insulter. C'est elle qui a commencé, après, clairement. Même si je suis d'accord que c'est une mauvaise idée. Et maintenant, quand quelqu'un m'insulte, tout truc machin, je supprime la vidéo, enfin, le message parce que je laisse pas ce genre de commentaires. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de m'abonner et de me soutenir, ça me ferait plaisir. Allez, bisous!